Salut, c'est Last Angel. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 7 de Dead Space. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Alors, on étions-nous où en... Ah, ça commence déjà. Alors, donc, toi, si tu pouvais claquer, voilà, tu m'obligerais. Merci. Il m'a presque pris toutes mes balles, ce con, qui m'en donne que deux, connard. Alors, évidemment, là, il n'y a rien. Donc, on va... Allez! On continue vers le bas, Condé. Maintenance. Alors, plus de stase. Ah, ils vont pas m'en refoutre dans l'ascenseur quand même. Ça va, c'est bon, les mecs, c'était cool. Ouais, alors, on va prendre ça. Alors, tiens, de la vis, c'est très bien. Il y a des trucs. Ah non. Ça, je ne les aime pas, ceux-là. C'est plus en... Oh putain, c'est de plus en plus mal fréquenté cet endroit. Allez, crève. Putain, il a eu le temps d'infecter l'autre, ce connard. Allez. Alors ça sert à rien. Putain. Allez, claque toi, putain. Allez, faut qu'on se tire. Ah oh, merde, dégage. Allez. Ah oh, putain, le con. Allez, putain, mais crève, ça l'a pris. Ah là là, putain, allez, on remet de la vie parce que on en manque pas pour l'instant. Allez, toi, crève, fais, putain. Avec de la stase, c'est mieux, putain. Oh putain, non, c'est pas vrai, deux d'affilée, putain, claque, toi, connard, claque, allez, putain, crevure. Faut que je refoute de la vie tout de suite, putain. L'autre con, il va me... Voilà, c'est bon. Ça, c'est quoi? Hop là, on n'a pas le temps. Allez, dégage. Oh, de la stase. De la stase, c'est bon ça, la stase. Ouais, il faudrait qu'on ait le temps de la mettre. Allez, vite, putain. Allez, vite. Allez, hop là. Il est où ce con? Hop là. Allez. Clac. Eh ben. Je vous dis que cet épisode, à mon avis, il va nous en faire chier. Ça c'est pour le fun. Et ça c'est parce que t'es vraiment pas beau toi. Et toi non plus. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? 2000. On avait récupéré 3000 là-haut, ça fait 5000. Je vous laisse écouter les messages comme d'hab, hein. Vous voyez, ils sont tous déjantés là-dedans. Je crois que la très grosse majorité des occupants de ce vaisseau méritait de claquer. Bon, c'est peut-être méchant de dire ça. Quoique. Toi, tu ressembles pas à ce que j'ai déjà vu, mais tu m'inspires pas. T'as un petit côté alien. Le retour. Petite sauvegarde. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Allez. On va récupérer la petite passerelle. Voilà. Là, il y a un petit truc de vie là. Allez, viens la faire. Merci. C'est où le, ce que j'entends là? Il y a un truc là. Ah bah il est là. On va lui foutre ça dans la gueule. Voilà, très bien.
pas me donner la vie, toi? Allez, donne. Ouais, tant pis. Non, c'est bon. Ça vient d'où? Ah, vous êtes pas cool, les gars. Putain, on n'arrête pas à récupérer les trucs. Allez, claque, toi, claque. Allez, toujours pas. Oh, putain, c'est chiant. Allez, toi, m'emmerde pas. Allez, hop, un peu de munitions. Toi, claque. C'est où? Tu veux pas venir, toi? Non, il veut pas. Alors, hop, toi, hop. Il y en avait un autre, il est où l'autre con? J'ai pas rêvé, il y en avait bien un autre. Disais-moi pas que c'est pas vrai. Non, mais il y en avait pas, j'ai rêvé. Hop, viens là, toi. Tu peux toujours servir. Isaac? Oh? Est-ce que c'est bien toi? Ouais. C'est Nicole? Oui, on est venu pour ça, ma chérie, mais tu te sauves comme ça, même pas un bisou, rien? Bon, d'accord. Alors, hop, ok, ça c'est fait. Ok. Bon. Qu'est-ce qui est nouveau, Nicole? Alors ça, on va peut-être en prendre un petit coup, ça peut pas nous faire de mal. On va vérifier que tout est ok. C'est bon. Ça c'est bon. Alors. Là, il y a des munes. Quoi? Je dois pouvoir le déverrouiller d'ici. Tiens bon. À la porte, tu vas nous déverrouiller la porte, c'est bien ça. T'es cool. Et sinon, tu deviens quoi? D'accord. Tu me fais toujours la gueule parce que j'ai pas descendu les... Merde. Ah putain. Moi je crois qu'elle s'en fout que j'ai pas descendu les poubelles. Allez. Voilà. Là, tu voulais s'en prendre à ma Nicole. Non mais il est ouf ou quoi lui? T'as cru quoi? Ah d'accord. Ok. Très bien. Donc, on va... Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Récupérer ce qu'on peut. Voilà. Bah bien sûr. Hop, toi. Tu ne t'approches pas de ma chérie. Non. Oh putain. Ah bah non, je croyais que c'était après Nicole que vous en aviez. Non. Allez, claque. Allez, touche pas. C'est pas pour toi. Allez. Je comprends. Allez, jolie, t'en veux, mais tu l'auras pas. Voilà, ça c'est fait. Chérie, faudrait que tu te manges un petit peu parce que je vais pas avoir beaucoup de munitions longtemps. Ah putain, encore toi. Mais putain, je t'ai tué tout à l'heure. T'as pas compris tout à l'heure? Hop, clac. Oh là, ils sont deux là, les connards. Ah putain, il y a l'autre con là sur le côté. Là. On va d'abord se le faire parce qu'il va nous casser les couilles. Allez, clac. Et vous, dégage. Touche pas. Voilà, laisse. Laisse madame tranquille. Oh putain, plus de balles. Allez, dégage. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de pas toucher à ma copine. Alors, on va récupérer. Toi, tu dis rien, toi. T'es zen, tu fais ton taf. Ah merci, c'est gentil. T'as vu, il y avait du monde autour de toi qui. Alors je les ai. Bon, d'accord. Merci. Non. Un bisou non plus. Bon d'accord. Alors. Tu serais pas un peu une connasse? Non. Bon, je me lâche un peu, excusez-moi. Non mais c'est vrai qu'elle aurait pu dire merci ou un truc dans le genre, quoi. Alors. Oh là, il y a des trucs sympas là. Ah bah un petit point de force, tiens, ça c'est bien. Là, des munes. Ok. Toi tu veux pas venir? Voilà. Très bien. Ouais, bah ouais. Oh, tenue niveau 4, j'ai cru apercevoir. Ça, c'est bon, ça. Alors, ouais, côté munitions, on n'a pas grand-chose. Toujours rien pour Amand. À vrai dire, je ne fais plus trop d'illusions.
C'est vrai? Bah écoute, Amon, il est peut-être dans un coin tranquille en train de. On sait pas, hein. Sois pas pessimiste comme ça, tu me fous le cafard. Alors, on va retourner et naturellement. On va se retrouver encore avec des connards à droite et à gauche. Parce que les développeurs vont avoir fait preuve d'une originalité monstrueuse. Ouais, bah je m'en doutais. Ouais. Non, je critique, mais sans déconner, ce jeu. Ah putain, ce jeu est vraiment trop bon. Et les développeurs ont fait un boulot d'enfer. Ah putain. Je disais ça parce que maintenant on commence à connaître un peu le. Allez! Allez, clac, clac, clac! On commence à connaître un peu les mécanismes, donc forcément c'est un petit peu moins surprenant. Quoique, allez toi, bouge pas, ne bouge pas comme ça. Bouge pas, comment tu veux que je te tue si tu cours tout le temps? Ah putain, t'es chiant. Allez, toi, dégage. Allez, mais arrête de courir toi, putain! Allez, ouais, c'est bien, bouge pas. Ah merde. Ah putain, quand tu cours pas, il y a des trucs devant moi. Allez. Clac, clac, tu veux pas claquer, hein, salaud. Ah putain, ah plus de balles, fais chier. Alors, tiens, ta gueule. Oh putain, c'est quoi ça? Allez, ta gueule, ta gueule, ta gueule, dégage, 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 dégage. Allez, clac, 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 clac. Oh, oh, mais messieurs, c'est trop petit, il n'y a pas de place. Dégage, dégage. Ah putain. On va se barrer, on va se barrer, on va se barrer. Parce que là, on avait plus de stase, on était mal. Alors, on va reprendre de la stase, de la vie, je peux pas faire de mal. Et on a pas mal de. Oh putain. Ah oui, bah oui, toi tu. T'es un malin, toi. Hein. T'as dit la porte elle est fermée, je passe par la fenêtre. Hein. Sale con. Merde, plus de balles. Ah, plus de balles. Ah putain. Allez, clac. Ah bah on n'a plus rien. Si, on a 6 on a 6 lames de cutter et puis après on n'a plus rien. Donc on est blindé de putain. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Voilà, donne-moi ça toi. Bon, on va retourner là où il y avait les trucs là. Dès que j'aurai fini. Voilà, tiens, prends ça dans ta gueule. On va faire demi-tour là, on va retourner, on va refaire un passage, récupérer ce qu'on a loupé là. Ils vont pas avoir remis des bestioles quand même, pas deux fois. Parce qu'on a plein de thunes, mais on a récupéré le schéma de la combinaison. Ah putain, t'étais pas mort toi. Bâtard. Tu m'as laissé quelque chose ou pas? Allez, viens là. Non, pas toi, toi. Allez, viens là. Hop. T'as quelque chose pour moi, non? Non? Merde. Ouais, parce que là maintenant qu'on a le schéma de la tenue, il va falloir qu'on prenne la tenue et à mon avis elle va pas être donnée. Donc on va peut-être pas se blinder en munitions finalement, parce que ça serait peut-être plus intéressant de prendre la combinaison. Jusqu'à maintenant ça nous a réussi. Alors on n'a pas d'argent à gaspiller. Et tout ce qu'on peut récupérer, il faut impérativement qu'on récupère. Il y a quand même quelques trucs. Voilà, viens là toi. Très bien. Pardonnez-moi, ça rallonge un peu le let's play, mais c'est ce que je qualifierais de nécessaire. En bas, il n'y a que dalle. Bien sûr. Il faut regarder partout, parce que dans l'épisode d'avant, hein, dans le truc botanique, là, quand on était en hauteur, on arrivait à avoir des trucs plus bas. Donc, maintenant, on fait attention. Essayez de récupérer quand même le maximum de choses. Mais j'ai bien peur qu'on n'en récupère pas beaucoup plus. Parce que là, on est arrivé au bout. Là, normalement, il n'y a plus rien. Hein, puisque de toute façon, là, on en vient. Donc, bah, on fait le chemin retour. Ouais, on a récupéré un petit peu, mais bon. De toute façon, on n'avait plus rien, donc c'est mieux que rien. On a 44 balles d'assaut. Avec ça, on va pas aller très très loin. Mais c'est mieux que ce qu'on avait. Je pensais que la récolte serait quand même un peu plus intéressante. Et je me suis trompé.
J'espère que vous avez eu une meilleure récolte à Pâques. Parce que là, nous, on n'a pas été super gâtés. Alors, on va faire une petite sauvegarde quand on sera arrivé de l'autre côté. Elle est lente, cette passerelle, je trouve. Vous devez, comme moi, vous ennuyer. J'en suis navré, comme dirait l'autre. Sont vraiment sympathiques les effets de lumière hein, avec la petite vapeur, la petite fumée là. Pour un jeu encore une fois qui a 6 ans, c'est pas dégueulasse. Bon allez, là, peut-être sous le cadavre, non que dalle, bon, là, c'est pas à peine d'insister, il y a rien. On va faire une sauvegarde quand même, voilà, et on va s'en retourner. Alors, non, c'est pas le quart d'heure, on a plus de bastos, on a plus rien, casse-moi pas les couilles toi, dégage, allez, tu fais chier, tu me donnes quoi, de l'argent, putain, des balles, donne-moi des balles. Ouais. Bah non, je fais ce que je veux, je vais d'abord remonter tout en haut, voir si... qu'on peut voir, parce qu'on peut voir ce qu'on va pouvoir acheter, combien coûte la combinaison, tout ça quoi. Alors, tu vas me dire comment vivre ma vie, non mais attends, je le crois pas. Je sais bien que c'est pas un open world, mais quand même, il y a un minimum de choses qu'on peut faire. Non mais l'autre. Alors. Allez, cours, Isaac, cours. Et il est où le truc déjà? Ah, c'est de ce côté-là. Ok, voyons ça. Alors, oui, ouais, c'est ça, tenue niveau 4, tout à fait Thierry. Donc là, on a 12 000. On vend le truc, on est à 22, 25. Elle est à combien la tenue? 35. Ah, il manque 10 000. Il manque 10 000. Il manque 10 000. On n'a rien à vendre. Non, il manque 10 000. Alors on va rien acheter. On va rien acheter. On aurait pu vendre un point de force, mais les points de force sont quand même assez rares. On va plutôt améliorer notre équipement. Parce que comme ça, on usera moins de balles de toute façon. Vu l'équipement. Alors, la tenue, il faudra qu'on s'y attarde. Ça, on va lui mettre un petit point là. Parce que normalement, plus c'est puissant, moins on a besoin d'utiliser de balles. Donc là, on en a pas, c'est vrai. Mais on va bien en trouver quelque part quand même. Et même si on n'en trouve pas beaucoup, comme il sera plus efficace, ça devra le faire. Donc là, on va se faire voilà, une petite sauvegarde vite fait. Espérons que le calcul est pas trop mauvais. Parce que normalement là le truc là ça doit être. On doit être dans la dernière partie, je pense. Donc si on est dans la dernière partie, on devrait nous envoyer pas mal de bestioles. Donc en général, le jeu nous propose quand même de récupérer des trucs avant une phase un peu trop difficile. Donc je pense que le calcul est pas mauvais. On verra. On verra. Alors, c'est quoi ce bordel? Oh, dégage. Ouais. Alors là, j'ai pas grand chose. Alors il va falloir, voilà, que tu claques tout de suite, c'est bien. Oh putain toi. Dégage. Et toi, hop. Allez où ton autre patte? Donne-moi ça, toi. Voilà. Ton autre patte. Allez, très bien. Allez, on va. Merde, oh là, putain, non, dégage, saloperie, dégage. Allez, clac. Voilà, ça c'est bon ça. Il n'aurait pas eu le mur, tu t'aurais volé très loin, je suis sûr. Allez.
Allez, bouge pas, j'ai pas beaucoup de balles. Bouge pas, ne bouge pas. Dégage. Mange, mange, mange. Tu te barres, hein, connard. Allez, allez, ouf, t'es. Voilà, c'est bien. Reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Allez. Voilà. Donc là, il faut qu'on aille ici. Et il n'y a pas d'alimentation. Donc, il va falloir qu'on trouve une alimentation. Eux, ils n'ont rien à me donner. Non. Ok. Ah, de la thune. Donne, donne. On a besoin de la thune. C'est de la thune encore, c'est bien. Ça, on pourra acheter la combinaison. Là, ça doit être 2 fois 800, je crois. Il manquait 10 000. Donc. On s'approche tout doucement, un peu de munitions de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal. Bon allez, on y va. Oh non, 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 voilà, voilà, on va t'arranger ça. Voilà, tu es plus joli comme ça. Allez, hop, prends ça, de la thune, très bien. Ça, c'est ok. Ça, d'accord. Voilà, on s'approche des 20 minutes fatidiques, on va dire. Donc, normalement, il doit y avoir un petit truc de sauvegarde pas loin. Donc, ce qu'on va faire, on va vite fait. Allez, non, on va sauvegarder, on va se dire au revoir. Bah, écoutez, likez, partagez, et puis je vous dis à demain. Bonne soirée.